suis Poséidon, venu du fin fond de la mer sur laquelle je règne, seigneur des espaces aquatiques infinis. Moi qui, avec Apollon, mon neveu, ai monté les murailles de Troie, selon les règles de l'art de la maçonnerie. Moi qui, depuis ce temps, conserve un faible pour cette ville. Que vois-je ? À présent, elle se consume, mise à sac et détruite par la puissance grecque. Les défenseurs de la ville n'ont pas flairé la ruse inspirée par Athéna, ma nièce. Ils ont introduit le cheval de bois dans leur mur. À l'intérieur du cheval, en embuscade, les guerriers ennemis avec leurs lances. Et aujourd'hui, les bosquets sacrés sont désertés, les temples ensanglantés. Sur l'autel de Zeus, j'y le roi pria à m'égorger. Toute l'or et la richesse de Troie sont en cours de chargement sur les vaisseaux grecs. Au premier vent favorable, ils prendront le large. Tout à la joie de revoir leurs femmes et leurs enfants, avant que ne touche à sa fin cette dixième année d'absence. Sur moi, les déesses Héra et Athéna l'ont emporté. Elles ont ourdi la chute de Troie. Je n'ai plus rien à faire ici. Lorsque la dévastation se porte sur une cité, le culte souffre. Les dieux ne sont plus honorés. La rivière Scamandre résonne des cris des femmes captives qui, par tirage au sort, sont attribuées à l'un ou l'autre. Ceux qui n'ont pas encore été attribués sont dans cette baraque. Ce sont les morceaux de choix. Ils sont réservés aux principaux chefs de l'armée. Parmi elles, la fille de Tindar, Hélène de Sparte, qui à juste titre n'est pas traitée différemment des autres. Hécube, l'infortuné, pour peu que le regard accroche sa présence, est ici, gisant devant l'entrée. Elle verse beaucoup de larmes pour beaucoup de raisons. Elle ne sait pas encore que sa fille Polyxène a été immolée sous la tombe d'Achille. Priam et ses fils sont morts, et sa fille Cassandre est là aussi, dont Apollon ait voulu qu'elle demeure intacte, vierge vouée à son culte, et dont Agamemnon, l'impie, n'ayant cure de la volonté du dieu, s'apprête à faire, par la force, la compagne de ses nuits. Alors voilà, tour majestueuse, adieu. Si Athéna, fille de Zeus, n'avait pas ourdi votre destruction, vous vous dresseriez encore devant mes yeux. Oserais-je, glissant sur notre récente brouille, aborder un frère de mon père et un dieu puissant estimé des autres dieux? Ne t'en prive pas. Nos liens étroits de parenté, Athéna, font que tes paroles le don de charmer mon cœur. Je suis sensible à l'expression de ton sentiment. Il y a une question qui me travaille. Peut-être pourrions-nous prendre un moment pour en parler, toi et moi. Que me vaut cet entretien? Es-tu venu me transmettre quelques nouvelles directives de Zeus Tout-Puissant? Tu n'y es pas du tout. C'est dans l'intérêt de Troie que je fais cette démarche auprès de toi, histoire de voir si d'aventure tu mettrais tes pouvoirs à disposition dans une alliance avec moi. Toi, qui as poursuivi Troie d'une haine tenace, est-ce à dire que tu commences à ressentir pour elle de la commisération, maintenant qu'il n'en reste que des cendres? Une chose après l'autre. Dis-moi d'abord si tu es d'accord pour une concertation, puis pour coopérer avec moi dans la réalisation de ce que je rumine de faire. Assurément. Mais j'aimerais d'abord savoir pour qui tu es. Est-ce le bien des Grecs que tu poursuis, ou celui des Troyens? Je souhaite apporter à mes anciens ennemis les Troyens quelques raisons de se réjouir et ménager à l'armée grecque un voyage de retour qui ne leur fera pas plaisir. Mais pourquoi te démènes-tu dans un sens puis dans l'autre? Tu es tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Pourquoi se chasser croisé de tes haines et de tes amours? Ignores-tu que moi et mes sanctuaires, nous avons été traités par le mépris? Effectivement, j'ai eu vent du rapt de Cassandre par Ajax. Ajax, ça arrache! Qui n'a été suivi par les Grecs d'aucun blâme ni sanction? Pourtant, s'ils ont pris Troie, c'est bien à toi qu'ils le doivent. C'est bien pourquoi, avec ton aide, je m'entends les rappeler à leurs bons souvenirs. Bon. Mais quel est ton dessein? Je leur prépare un retour empoisonné. Sur la partie terrestre de leur chemin, ou maritime? Zeus, pour sa part, dépêchera l'un des plus furieux ouragans.
Vent déchaîné, grêle, pluie torrentielle, et j'ai sa promesse de me remettre la foudre pour incendier leur vaisseau. À toi, il revient de gonfler et de creuser l'onde au moyen de vagues et de tourbillons géants qui rempliront les baies et les criques de leurs cadavres. Ce qui leur apprendra à épargner mes temples et honorer les autres dieux. Qu'il en soit ainsi. Le service que tu me demandes ne souffre pas de discussion. J'agiterai la mer Égée. Les plages et les bas-fonds de Syros, de Lemnos, de Delos seront jonchés des noyers. Rejoins l'Olympe et va saisir l'éclair des mains de ton père et attends que la flotte grecque soit au large, toute voile déployée. Insensé le mortel qui se permet de mettre les villes à feu et à sang sans s'interdire de ravager le logis des dieux et des morts, temples et tombes. Ce faisant, il précipite son propre trépas. Debout, femme. Ta tête, redresse-la. Ton cou, tends-le et regarde. Où est-elle, Troie, la ville où nous avons régné? Troie n'est plus. Quand la fortune change, ne te cabre pas contre le changement. Vogue dans le sens du courant. Ne va pas pointer la proue de ta vie face à la vague déferlante. Oh, malheureuse que je suis! Aïe, infortunée! Aïe, Eo! Aïe, Eo! Quelle est cette plainte que je ne puis proférer? De patrie, je n'en ai plus. De mari, ni d'enfant non plus. Rien. Ni même la fierté de savoir de qui je descends ne subsiste. Mon lignage devient peu de poids aujourd'hui. J'ai couru comme une dératée. J'ai cru que je leur avais échappé quand un groupe d'autres soldats a débouché juste devant moi. Ils se sont disputés pour savoir qui me prendrait. Quel refuge peut-il y avoir dans la pensée de ce qui était? De ce qui était? Ne pas tomber entre leurs mains, c'était mon idée. Des hommes fous de ne pas avoir eu de femme pendant 10 ans. 10 ans. L'âge que j'avais quand elle a commencé. La guerre, pauvrette, tu n'as connu que ça. Je ne pensais même pas qu'un jour elle s'arrêterait. Elle s'arrêterait. J'ai dévalé la rue, jusqu'au pied du rempart. Mon idée était de me jeter de là-haut. J'ai commencé à gravir les marches. Ils étaient deux là qui m'ont empoigné. Et surtout qu'elle s'arrêterait si soudainement. Si soudainement. Au bout de 10 ans, quelques minutes ont suffi. Quelques minutes ont suffi. Ils m'ont plaqué sur une marche. Le reste est impossible à dire. Toi aussi. Chassez de cela tout souvenir. J'essaie d'écraser au fond de moi toute mémoire de la vie d'avant. Conserver la trace, il le faut pourtant. C'est la seule richesse qui nous reste. Mieux vaut n'être plus. Rien. Est-ce rien, le trop plein de chagrin? On ne peut pas vider la honte. On le voudrait et elle monte par bouffée. Elle étouffe. Ils nous ont regroupés. Nous étions une centaine ou plus. Enfermés dans la cage de blé. Tu y étais? J'y étais, moi aussi. Moi aussi. 5 jours, sans boire, ni manger, ni bouger. Puis, ils nous ont triés. Oui, ils n'ont laissé vivantes que les plus jolies et les plus robustes. Prends ceux qui nous gouvernent. Comment ont-ils pu laisser faire une chose pareille? Ça ne devait pas arriver. Et ça arrive. On ne voulait pas croire ce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. J'ai vu et je ne voyais pas. Zeus! Avec quelle insouciance as-tu laissé faire? Dieu distrait, qui l'a souillé, le temps qui est le tien. Il m'importe, oui. De savoir pourquoi tu m'as abandonné. Et toi, chaîne et mousse, tu erres parmi les morts sans sépulture, tandis qu'on m'emmène, je ne sais vers quel bord. Qu'ai-je donc pour être si cruellement abandonné?
J'entends le faible cri des enfants aux portes de la ville. Maman ? 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 Maman ! Maman ! Maman ! Où es-tu ? Ne feras-tu donc rien pour m'arracher de leurs mains ? Que fais-tu ? Pour les empêcher de m'arracher de tes bras ? Que devrais-je envelopper dans le silence ? Que devrais-je ne pas envelopper dans le silence ? Mon corps part en morceaux, mes tempes éclatent, mes flancs se déboîtent. Combien je voudrais que mon dos roule et tangue, se déportant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tandis que j'entonne mon chant de lamentation. Aïe-yé-o ! Aïe-yé-o ! Aïe-yé-o ! Une musique émane de ceux que le sort abat, quand de vive voix ils rapportent les coups qui sur eux pleuvent. Peut-on le croire ? Moi et Cube, ici gisant parmi les baraques ennemies, prête à être emmenée, esclave. Mais de quelle besogne suis-je capable ? Décrépite, plus bonne à rien. Devant moi, la mer Égée, ils me la feront traverser. Les Grecs, comme dans l'autre sens, sur leurs mille navires, ils en ont franchi l'étendue. Ont mouillé dans la baie de Troie, à la recherche, est-ce croyable, de la haïssable épouse de Ménélas, elle, la meurtrière du roi Priam qui a engendré 50 enfants, elle, le génie de ma perdition. Mais comme s'il ne s'agissait que de moi, vous toutes, épouses des combattants troyens qui ne sont plus, ici maintenant parqués, tandis que vos maisons brûlent, avec moi, poussez votre plainte. Aïe! Hécube, que dis-tu, ô reine ? Quel est le sens de tes paroles ? Inquiétant, à travers les murs de la baraque me sont parvenus tes propos. Ils me font peur. Mes enfants, déjà les Grecs se préparent à embarquer. Avec eux vont-ils m'emmener, m'arracher à mon pays natal ? Je ne sais pas, mais je ne m'attends à rien de bon. Aïe-o ! Ô compagne d'infortune ! Décollez du sol où vous étiez prostrés ! Écoutez la nouvelle qui nous frappe ! Les Grecs préparent leur retour ! Mais je vous en supplie, Cassandre, ma fille en proie à ses visions, retenez-la à l'intérieur, épargnez-moi un malheur de plus. Toute tremblante ! Qui va me guérir ? Sur ce qu'elle viendra ? À qui, en tant qu'esclave ? Serai-je attribuée ? Sur quel bord ? Serai-je déportée ? Moi, qui régnais sur Troie, qui servirai-je ? Dans quel emploi ? Gardienne ? Bande d'enfants ? Mais voici le commissionnaire de l'armée grecque, porteur de funestes nouvelles. À en voir son air affairé, que va-t-il nous annoncer ? Hécube, tu sais que j'ai effectué de fréquentes navettes entre Troie et l'armée grecque. Je suis le porte-parole, moi, Taltibios, qui viens à présent te communiquer des informations. Troyenne chérie, ceci est l'instant que depuis longtemps déjà je redoutais. Le tirage au sort a eu lieu pour vous répartir entre vos propriétaires respectifs. Si c'est là ce que vous craignez. Aïe, où échouerons-nous ? Aïe, où échouerons-nous ? Chacune de vous est attribuée à un maître, chacun une. Eh bien, qui est attribué à qui ? Je peux vous le dire, mais posez des questions précises, pas tout à la fois. Dis-moi. Qui emporte ma fille ? Cassandre la malchanceuse. Le roi Agamemnon se l'est vu accorder par privilège spécial. Pour servir sa femme comme esclave ? Oh douleur ! Non, pour partager sa couche en toute clandestinité. La vierge consacrée à Phoïbos Apollon, celle à qui le dieu aux cheveux d'or a fait don de perpétuelle chasteté. L'amour pour cette jeune fille inspirée enflammer son cœur. Rejette, mon enfant, ces branches de laurier sacrées, dépouille ton corps de sainte guirlande qui le part. Quoi ? N'est-ce pas une grande chose que pour elle que de gagner un lit royal ? Mais qu'en est-il de mon autre fille que tu m'as enlevée à ton dernier passage ? Où est-elle maintenant ? Tu
Tu veux dire... Polyxène? Ou de qui s'agit-il? C'est bien d'elle dont il s'agit. À qui est-elle échue comme l'eau? Sa tâche est de servir la tombe d'Achille. Qu'entends-je? Ma fille servante d'une tombe. Mais quelle coutume est-ce? Quel usage chez les Grecs dit? Considère ta fille bien lotie. Cela aurait pu aller plus mal pour elle. Que dis-tu là? Voit-elle encore la lumière du jour? C'est son destin. D'être libérée de tout ceci. Que veut dire cela? Mais qu'en est-il? Mais la femme d'Hector? Qu'en est-il de la femme d'Hector? Mon fils sans pareil dans l'art de la guerre. La pauvre Andromaque, quel est son sort? À titre de privilège spécial, le fils d'Achille en a obtenu l'adjudication. Et moi? Qui servirais-je, moi, qui avec ce bâton marche sur trois jambes? Ulysse, roi d'Ithaque, t'acquise. Tu seras son esclave! Aïe-o! Aïe-o! Frappe cette tête mêlée de tes ongles lacères ces deux joues! Aïe! Aïe-o! Aïe-o! Est-ce mon lot d'être l'esclave d'un homme qui a la trahison pour religion? Un ennemi de la justice et de tout ce qui est droit! Avec sa longue langue trompeuse, il transforme ici en là, et là en ici, semant la haine par ses seules paroles. Eh oh, lamentez-vous, femme de Troie, sur le sort des cubes dans le gouffre précipité. Aïe oh! Aïe oh! Et moi? Et moi? Par qui serais-je emmené? Nine-Eleven Drink, la boisson officielle du 11 septembre 2001. C'est la boisson. Et voilà. C'est bon? Assez lanterné. Garde, Olam, amenez-moi ici Cassandre, et plus vite que ça, afin que je puisse la remettre entre les mains de son légitime allocataire. Puis procéder à la distribution de toutes les hommes captives ici présentes. Mais qu'est-ce? Qu'est-ce cette lueur là-dedans? Les Troyens mettent-elles feu à leur baraque? Au moment où leur convoi se prépare? Cherchent-elles à brûler vives? Dans de pareilles circonstances, il est des âmes les plus libres par tenter. Par ce moyen d'éluder la mauvaise fortune. Garde, ouvrez! Je ne vais quand même pas me laisser sanctionner pour les avoir laissé faire ce qui les arrange elles, mais qui laisserait les intérêts de nos gens à nous. Elles ne mettent le feu à rien du tout. C'est ma fille folle Cassandre qui nous rejoint. Ne vois-tu pas? Lumière, lumière. Oh, lumière, embrasse ce lieu sacré. Je te rends grâce, Seigneur des épousailles. Béni soit le fiancé. Et moi, bénie, promise que je suis à une couche royale, hymen, hymen. Toi, maman, tu peux continuer à répandre tes larmes et à gémir sur la mort du roi mon père et de notre patrie. Mais moi, à ma cérémonie nuptiale, je veux l'éclat et la brillance du plus vif brasier pour célébrer comme le veut la coutume. Ô Seigneur des épousailles, ô Hécate, les noces d'une jeune fille immaculée. Ô la jambe, lance-la, jette-la plus haut, Eanne, Eoi. Comme dans les temps heureux où tu vivais, père. Divine est la danse, divine. Mène la danse, Apollon. Couronné de laurier, voué à ton culte. Dans ton temple, j'officie au sacrifice. Hymen, oh, Hyménée, Hymen. Entrez dans la danse, mère. Un saut croisé, pieds écartés, pieds joints, jambes tendues, pliées. Mettez pas dans les pas gaiement et entonne le chant nuptial. Vive la mariée! Venez, vous les filles de Troie, dans vos plus beaux atours. Que votre chant célèbre mon honneur et célèbre celui à qui je suis destinée. Oh, mariage béni! Reine, ta fille délire. Maîtrise-la, dans un instant, elle va s'envoler jusque dans les rangs de l'armée grecque. Aurais-je jamais imaginé, ma fille, qu'un jour, tu serais conduite à un accouplement sous la pointe d'une épée? Donne-moi ce flambeau. Tu ne devrais pas brandir le feu dans la frénésie où tu es. Avec tout ce qui te tombe dessus, tu n'as pas pour autant recouvré la raison. Ma pauvre enfant, toujours aussi égarée. Troyenne! Rentrez ce flambeau, et en échange de ces chants nuptiaux,
Donnez-lui vos pleurs. Mère, couronnez ma tête victorieuse et réjouissez-vous de mes noces royales. Faites-moi escorte. Et si à vos yeux je ne vous semble pas y aller de gaieté de cœur, poussez-y-moi de force. Car je l'atteste par Apollo, en m'épousant, Agamemnon, le chef glorieux des Grecs, gagnera une épouse plus encore qu'Hélène désastreuse. Car je le tuerai et pillerai sa maison, vengerai mes frères et mes pères. Mais ce sujet, je le mets de côté. Je dirais plutôt que, comme je vois les choses, notre ville s'en tirera meilleure compte que la Grèce. Ce n'est pas une prophétie, mais une constatation. Bien que possédée par le dieu, je mets sous le boisseau ma frénésie le temps qu'il faut pour observer que dans leur chasse à Hélène, les Grecs ont perdu d'innombrables vies. Pourquoi ? Pour une femme, pour une passion. Leur commandant en chef, homme si avisé, a renoncé à ce qui lui était le plus cher en faveur de ce qui lui était le plus répugnant. N'a-t-il pas sacrifié son propre enfant à son frère pour les beaux yeux d'une femme qui, au demeurant, s'était laissée enlever de son plein gré et non de force ? Ils débarquent en masse sur les berges du Scamandre et la mort commence à éclaircir leurs rangs alors que personne ne les avait menacés sur leur terre ni attaqué les hautes tours de leur cité. La guerre est la pire folie des hommes, certes. Tout homme de bon sens s'efforce de l'éviter. Mais tant qu'à faire, il n'y a pas de honte pour une ville à disparaître honorablement. C'est une mort ignoble qu'il faut craindre. Aussi, mère, ne te désole pas pour notre patrie. Ne déplore pas mon mariage à venir. Le lit nuptial sera mon moyen de détruire ce que toi et moi nous haïssons le plus. Et si tu n'avais pas l'esprit dérangé ? Tu es payé cher ces paroles de mauvais augure. Prononcées au moment même où les généraux embarquent. Mais voilà, le commandant en chef de tous les Grecs, le fils d'Atrée, a été pris de passion pour cette folle. Moi, venant du bas, homme quelconque, pour rien au monde je n'aurais en voulu faire ma maîtresse. Mais bon, folle tu l'es, que le vent emporte aussi bien tes sarcasmes à l'endroit des Grecs, que les louanges dont tu couvres les Troyens. Tu m'avais rien dit, hein. Un beau parti pour notre général. Et toi, prépare-toi à rejoindre Ulysse. Dès l'instant, il m'enverra prendre livraison de ta personne. Tu seras la servante d'une femme vertueuse, à ce qu'on dit. L'air d'importance que se donnent ces pauvres Pour lui, il ne fait aucun doute que ma mère aura pour domicile le palais d'Ulysse. Mais moi, la voix d'Apollon ne m'a-t-elle pas fait savoir qu'elle mourra ici même ? Ne la troublons pas avec les autres détails de ce qui l'attend. Quant à Ulysse, les épreuves qui vont l'assaillir sont hostiles. Combien mes souffrances et les malheurs de Troie lui paraîtront enviables en comparaison de ce qu'il attend. 10 ans d'errance affreuse s'ajouteront aux 10 ans qu'il a passé ici. Tout cela pour regagner seul son pays ou des mots pires encore l'accablement. Oh, commandant suprême des Grecs, toi qui te flattes d'une réussite grandiose, tu seras enterré ignominieusement, misérable entre les misérables, de nuit et non de jour. Et moi, cornue jetée dehors, moi la prêtresse d'Apollon, ô guirlande appartenant au dieu auquel je suis liée, détachez-vous de ma chair, je vous en arrache. Voici que pur encore de corps, je vous confie aux vents qui vous conduiront à toi, ô mon seigneur prophétique. Où est la nef du général? Où faut-il que j'embarque? Maintenant n'est pas trop tôt, soyez en alerte. Pour que la brise apte à gonfler vos voiles, vous ne la manquiez pas. Car en moi, emportée par vous, réside une des 3 Erinies, divinité vengeresse. Adieu, mère, ne pleure pas. Patrie chérie, frères aimés reposant sous la terre, père qui nous a engendrés, vous me recevrez bientôt. J'arriverai au pays des morts victorieux, ayant mis à sac la maison des Atrides, des mains desquelles nous avons péri. Nous pourrons nous faire, ou nous faire faire tout ce qu'ils voudront. Y a-t-il un mauvais traitement auquel nous puissions échapper ? Je peux tomber sur un bon, un moins bon, ou un qui n'est pas du tout bon ? Que peut-on faire pour résister ?
Le lit ou le puits, je ne sais pas ce que je crains le plus. Il s'est déjà plein toute la sainte journée. Moi, le lit, je préfère. Mais il ne nous demandera pas notre avis. Moi, tirer l'eau du puits jusqu'à ce que je n'ai plus de bras ni de dos. Tu n'auras pas ton mot à dire. Il te dit au lit, tu te mettras au lit. Il le prendra dans tes bras. Si j'ai de la chance, Corinne sera mon point d'arrivée. J'y puiserai l'eau sacrée de tes reines. Mais Athènes, ça pourrait être bien aussi. Ou les coteaux du mont Olympe. On m'a dit qu'ils regorgent en fruits, comme aussi les pentes douces du mont Etna, connues pour leur fertilité. Vous qui êtes censé veiller sur la vieille écume, ne voyez-vous donc pas dans l'état où elle est, muette, effondrée au sol? N'allez-vous donc pas essayer de la relever? Laissez-moi! Une aide dont on ne veut pas n'est pas une aide. Effondrer le mot. Effondrer la réponse qui convient aux souffrances que j'ai endurées, que j'endure et que j'endurerai. Oh Dieu! En vérité, ce sont des alliés déloyaux à qui j'en appelle, sur qui on ne peut pas compter. Mais comment ne pas les invoquer quand on est dans l'adversité? Je veux dire d'abord ce qui faisait mon bonheur. Je rendrai ainsi mes malheurs plus palpables. J'étais de sang royal. J'épousais un roi. Je lui donnais des enfants de grande excellence, faits de la meilleure pâte. Aucune maman, grecque ou barbare, ne peut se vanter de m'avoir surpassée. Mes fils, je les vis tomber sous les traits des Grecs. Et je coupais mes cheveux, mèche après mèche, sur chacune de leurs tours. Priam, leur père, ce n'est pas par oui dire que je suis sa mort. J'ai de mes yeux vu comment ils l'ont assassiné sur le foyer de notre demeure. J'ai vu aussi ma ville prise, mes filles vierges enlevées. Je ne les reverrai pas. Et moi, expédiée en terre grecque, vieille femme brisée, ni garçon, ni fille à qui j'ai donné naissance, ne peut venir en assistance au débris que je suis. Alors, pourquoi essayer de me relever ? Danser. Comme toi, comme nous toutes, autour du chevalisé sur l'Acropole, nous avons dansé, chanté. Toutes les Troyennes y sont allées, bien sûr. C'était la fin de la guerre. Troie avait repoussé tous les assauts. Les Grecs se retiraient. Les Grecs remontaient sur leur vaisseau après avoir mis le feu à leur baraquement. Ils abandonnaient la partie, laissant derrière eux une idole géante en bois, sapin richement remis. Si grande qu'on ne pouvait pas la rapatrier par voie de mer. Quand on lève le siège, on ne peut pas tout emmener. Il lui avait donné la forme d'un cheval. Cassandre l'avait dit qu'il fallait laisser pourrir sur la plage le cheval. Au lieu de quoi? Quelle n'a pas été notre erreur? De l'introduire dans nos murs. Tout laisser à penser que les Grecs décampaient. Lassés d'une guerre si longtemps indécise, et à présent, nous allions en faire une offrande. Sans pareil. À Athéna. Fille de Zeus, vierge divine. La nuit était tombée, je dansais. Dans son temple. Toutes nous dansions, chantions. Quand une clameur meurtrière résonne dans la ville. Les petits enfants terrifiés entourent de leurs bras les jupes de leur mère. Et le massacre des Troyens commence. Pressant contre sa poitrine, attend le petit Astyanax fils d'Hector. Mes maîtres, les Grecs, me déportent! Aïe-o! Aïe-o! C'est ma tristesse et tu te l'appropries. Aïe! Zeus, ce châtiment, pourquoi? Mes enfants, notre vie est finie. Anéantis notre bonheur! Anéantis, Troie la maudite! Et tous mes fils. Hélas, oui! Ô ville, ruine fumante. Au secours, mon mari! Tu appelles mon fils. Pauvre garçon, d'outre-tombe, peux-tu défendre ta femme? Toi qui jadis pourfondis les Grecs en si grand nombre. Oui, aîné des enfants que je donnais à Priam, accueille-moi dans l'Hadès. Désespéré désir! Cruelle peine! Pour cette cité perdue! Amas de malheur.
corps amoncelés, empilés festins pour les vautours. Chair humaine, pourrissante, jonchant les marches du temple d'Athéna et ses alentours. Engrenage fatal mis en place par elle, à partir du jour où ton nouveau-né Paris échappe à une mort pourtant sagement programmée. Basse manœuvre des dieux, aboutissant au massacre de nos hommes, et joue pour nous de l'esclavage. Les dieux, ils élèvent ce qui est bas et abaissent ce qui est haut. Les humains ont l'avantage de savoir verser des larmes et soulagent ceux qui sont dans l'affliction. Qui l'eût cru, mon fils et moi, butin vivant ? Cassandre, ils me l'ont enlevé. Mais elle n'est pas le seul sujet de tes craintes. Non, des sujets de crainte, j'en ai plus que je ne peux compter. Polyxène ? Oui. Ta fille Polyxène est morte, poignardée sur la tombe d'Achille, offrande à un cadavre. Là est le sens de cette énigme issue des lèvres de Taltibios, obscure et véridique. Je l'ai aperçue, et descendant du chat, j'ai recouvert son corps d'un voile. Meurtre monstrueux. Ah, mon enfant, encore un, douloureuse a été ta mort. Elle est morte comme elle est morte. Au moins, elle n'est plus. Un avantage sur ma situation à moi. Ma chérie, mourir n'est pas pareil que vivre. D'un côté, rien. De l'autre, l'espoir subsiste. Ne pas naître est pareil que mourir. Et mourir vaut mieux que de vivre dans la souffrance. Car un mort ne souffre pas plus que ceux qui ne sont pas nés. Polyxène, comme si elle n'avait jamais vu la lumière du jour, ne sait rien de sa propre infortune. Mais moi, qui ai toujours voulu que mon nom soit sans tache et qui n'ai encouru de quiconque aucun reproche, je n'ai pas sa chance. Tout ce qui touche à la bonne conduite d'une femme, je l'ai pratiqué dans la maison d'Hector. Une femme qui sort de chez elle, même pour de bonnes raisons, inévitablement fait jaser. Dans l'armée grecque, cela s'est su. Ma bonne réputation m'a perdue. Sur moi, le fils d'Achille a jeté son dévolu. En tant que son épouse, je serai la maîtresse de maison de ceux qui ont tué les miens. Aimer mon nouveau mari, trahir ainsi Hector, continuer à aimer Hector, haïr mon nouveau mari et me faire haïr en retour par lui. On dit qu'une nuit suffit pour dissiper la haine d'une femme envers son compagnon de lit. Mais que ne dit-on pas ? En toi, Hector, j'avais un mari qui me comblait. Ô Hécube, la mort de Polyxène qui te brise l'âme n'est-elle pas un moindre mal ? Car moi, je n'ai même pas l'espoir pour me tenir compagnie. Nous avons de quoi être affligés. Mais pour nous, il faut bien que la vie continue. Si j'étais affligée seulement. Mais j'ai peur. Peur de quoi ? Peur que la vie ne puisse pas continuer. Mais la vie, ne vois-tu pas que déjà elle continue ? Nous parlons. La vie ne perd jamais son temps. Je parle de la vie d'avant. Celle-là est bien finie. C'est la seule que je connaisse. Moi, je crois que la vie ne perd jamais ses droits, y compris le droit de changer du tout au tout. Les jours ne seront plus les mêmes. Mais alors ? Mais regarde, ce que tu me dis n'a pas de sens, parce que je ne m'y retrouverai plus. Moi, je m'exerce à rêver d'autres jours. Comment sont-elles ? Pleines de jolies choses. Moi-même, je ne suis jamais montée sur un bateau. Mais j'en ai vu un en peinture et on me les a décrits. Ainsi, j'ai une idée de ce qu'ils sont. Quand les marins rencontrent une tempête de force moyenne, ils font face. L'un à la barre, l'autre maniant la voilure, tandis qu'un troisième écope. Mais si une mer démontée prend le dessus, ils s'abandonnent au destin, se laissant submerger par le flot furieux. Ainsi en va-t-il de moi. Accablé par tant de coups, je me tais, laissant mes malheurs me recouvrir. Mais toi, ma chère fille, ne pense plus à Hector. Tes larmes ne peuvent susciter son retour. Honore plutôt ton présent maître et mari. Dispense-lui sans réticence les faveurs découlant de ton charme. Agissant de la sorte, tu apporteras un baume au cœur de tous tes amis. Tu pourras amener à l'âge d'homme mon petit-fils ici présent, l'espoir de Troie, afin que lui, ou l'un ou l'autre de sa lignée, un jour ne refonde la ville, afin que Troie redevienne la ville qu'elle a été dans sa puissance et sa splendeur. Les voici à
nouveau l'envoyé des Grecs qui vient nous faire part de quelle résolution encore. Épouse d'Hector, qui fut insurpassable sur le champ de bataille, redoutable entre tous les Troyens, ne m'en veuille pas. C'est à mon corps défendant que je viens faire mon annonce au nom des Grecs. De quoi s'agit-il? Il a été décrété que cet enfant, mais comment puis-je dire, n'aura pas le même maître que moi? Aucun Grec ne sera son maître. Avez-vous décidé de le laisser ici comme un triste reste de Troie? Je ne sais comment je serai sans mal te le dire. J'approuve cette hésitation si tu n'es pas porteur d'une bonne nouvelle. Pour te dire la terrible vérité, ton fils, ils vont le tuer. Aïe! Aïe! Mon mariage n'est rien comparé à cette nouvelle. Ulysse, intervenant à l'assemblée des Grecs, a fait prévaloir l'argument. Aïe! Aïe! S'en fond et ma douleur. Qu'il ne devait pas laisser parvenir à l'âge d'homme le fils d'un père si noble. Puisse un jour quelqu'un se montrer aussi convaincant s'agissant d'un de ses fils à lui. Mais devait le précipiter dans le vide, du haut des remparts de Troie. Hey! T'en as marre de ton mariage tout pourri? Tu cherches un grec dans la région de... Mykonos? Silos? Lemnos? Telos? Alors, va sur... adopteungrec.com. Rien n'est fait, si je puis me permettre. Pas de gestes ou de mots qui blesseraient l'oreille des militaires grecs. Si tu les fâches, ils pourraient refuser à ce garçon le privilège d'une sépulture. En revanche, si tu te montres accueillante, ils te voudront du bien. Maudit soit Hélène, la cause de ce que les Grecs vont te jeter du haut de nos murailles. Maudit soit ses beaux yeux, la raison de ton mort. Qu'attendez-vous pour me jeter, moi, vivante sans mon fils, sur vos navires, prête à ce beau mariage? Viens, enfant, quitte les bras de ta maman. On te portera jusqu'au plus haut degré de la plus élevée des tours de tes ancêtres. Là, tu aspireras l'air pour la dernière fois. Non! 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 J'aurais préféré que pareille mission fût confiée à un homme moins ouvert que moi. À la pitié! Fils de mon fils, ta vie nous est dérobée à ta mère et à moi. Combien injustement! Les cadeaux que nous pouvons te faire, c'est de nous frapper la poitrine et la tête. Cela, oui, encore est en notre pouvoir. Oh! Splendeur superbe du soleil qui éclaire le jour où mon épouse Hélène va tomber entre mes mains. Car moi, Ménélas, qui ai tant enduré durant cette guerre et qui repart pour la Grèce et toute l'armée grecque avec moi, je ne suis pas venu, comme on le pense, pour récupérer mon épouse, mais pour me venger de l'homme qui, en visite chez moi, me l'a enlevé à l'encontre des lois de l'hospitalité. À présent, il en a payé le prix, lui, les siens et son pays. Elle, je viens en prendre livraison. Mes compagnons me l'ont livrée pour que je la mette à mort. Ou si je préfère, que je la ramène vivante à Sparte. C'est ce que je ferai. Ne pas l'exécuter sur le champ, mais à l'arrivée dans mon pays. Pour donner satisfaction à tous ceux dont les proches dans cette guerre ont perdu leur vie. Elle est dans cette baraque, réservée aux captives. Allez, garde! Saisissez-vous d'elle! Traînez-la ici par les cheveux! J'approuve ton intention de la tuer, Ménélas. Mais veille à ne pas la regarder, de peur qu'elle rallume ton désir. Car elle capture les yeux des hommes, détruit leur ville et brûle leur maison. Si puissant est son charme, comme nous le savons bien, toi et moi. Ménélas, voilà qui ne présage rien de bon. Fallait-il que tes gardes se montrent avec moi aussi brutaux pour m'amener devant toi? Mais bien que je sois à peu près certaine que tu me hais. Mais dis-moi, quelle décision avez-vous pris, toi et les Grecs, concernant ma vie? Rien de précis. L'armée grecque a laissé, à moi que tu as offensé, le soin de te tuer. M'est-il au moins permis de présenter mes arguments pour montrer que ma mort serait injuste? Je ne suis pas venu ici pour parler, mais pour te tuer. Écoute-la. Qu'elle ne meure pas sans que lui soit accordé le droit de parler, Ménélas.
Et ce droit, je le demande aussi pour moi. Car moi, je veux requérir contre elle. Son inconduite à trois, tu l'ignores. Une fois faite l'addition de ses fautes, le comte la tuera. Il n'y aura pas pour elle d'échappatoire. Bon, mais sache que si je l'autorise à parler, c'est parce que tu me le demandes, et non pas elle. Même si ce que je te dirai est la vérité toute nue, tu ne me répondras pas parce que tu me tiens pour ton ennemi, n'est-ce pas? De sorte qu'il me faudra bien imaginer tes accusations, pour y opposer, terme à terme, mes propres accusations. La première coupable n'est-elle pas cette femme, Hécube, qui enfantait Paris, sans lequel rien de tout cela ne serait arrivé? Elle et son époux Priam ne devaient-ils pas le supprimer, ce bébé qu'elle avait vu sortant d'elle comme un tison? Est-ce ma faute ensuite si, ayant grandi, fait juge d'un concours de beauté, le jeune homme est assailli de propositions de la part de trois déesses intéressées? Athéna lui fera vaincre les Grecs à la tête de l'armée troyenne. Héra lui offre la souveraineté sur les confins de l'Europe et de l'Asie entière. Aphrodite, me trouvant belle, m'offre moi. Si Aphrodite l'a emporté, qui puis-je? Et vous, les Grecs, ne l'avez-vous pas échappé belle? Car si Athéna ou bien Héra l'avait emporté, vous aviez droit soit à l'annexion, soit à l'écrasement par les barbares. Athéna! Parce que même les hommes peuvent devenir des dieux. Mais la chance de la Grèce a été ma malchance. J'ai été vendue pour mes charmes. Est-ce ma faute? Ne méritais-je pas mieux, moi qui étais votre providence, d'être ceinte d'une couronne plutôt que promise au supplice? Mais je te vois venir. Tu diras que mon tort est de m'être... m'être laissé enlever sans résister. Mais le pouvais-je? Il y avait une déesse à son côté, et non des moindres. Et toi, imbécile, où étais-tu? Laissant cet étranger seul avec ta femme, tu partais en croisière de Sparte jusqu'à la Crète. Bon, sur ce qui s'en est suivi, je me poserai la question à moi-même, et pas à toi. Qu'avais-je dans la tête pour suivre l'étranger, abandonnant ma maison et mon pays? Prends-t'en à la déesse, Ménélas, montre-toi plus fort que Zeus, lui qui commande aux autres dieux, mais qui est lui-même esclave de celle-ci. Comment ne pas m'accorder les circonstances atténuantes? Elle ne manque pas d'éloquence, ni de force de persuasion. Bien qu'elle soit coupable, c'est une chose terrible que le pouvoir des mots. Reste le grief que tu me fais sans doute de ne pas avoir fui mon palais et rejoint les navires grecs. Mais mon cher époux, c'est précisément ce à quoi je me suis employée, et j'ai des témoins. Combien de fois les gardiens des tours ne m'ont-ils pas vu tentant de m'échapper du haut des fortifications à l'aide d'une corde? À trois qu'étais-je? Une prisonnière. Ne méritais-je pas ton indulgence plutôt que ta colère? Pour commencer cette histoire de concours de beauté, qui peut y croire? Quelle raison pouvaient avoir ces trois déesses à rivaliser dans une telle manifestation de sottise et de frivolité? Ensuite, tu prétends sans rire que la déesse Aphrodite accompagnait mon fils dans la maison de Ménélas. La vérité est que mon fils était d'une beauté renversante, qu'il s'est présenté chez vous, resplendissant, drapé dans de magnifiques tissus d'Orient. Et c'est simple qu'il t'a tourné la tête. Car à Sparte, tu vivais petitement. À Troie, t'es-tu dit, ville qui roule sur l'or. Tu pourras te livrer à tous tes dévergondages. La rapacité et la luxure t'ont fait déserter ton foyer. Mais voilà, les armées grecques t'ont suivi à la trace et les hostilités se sont déclenchées. Ne t'ai-je pas souvent exhorté? Ma fille, va-t'en, je couvrirai ta fuite et t'aiderai à rejoindre la flotte grecque. Délivre-nous de la guerre et ses calamités. Mais non. Ce qui comptait pour toi, c'était de pouvoir continuer à te vautrer dans les plaisirs. Et maintenant, femme exécrable, tu oses t'exhiber dans les plus somptueuses toilettes. La bienséance eût été que tu te présentes en haillons, tremblante, la tête rasée. Cette femme, Ménélas, mérite de mourir. Tu l'as pour ta gloire comme pour l'honneur de ton pays.
et que cette exécution donne à réfléchir aux femmes. Qui trahit son mari doit périr. Administre-lui, Ménélas, le châtiment qui lui revient. Montre toi digne de tes ancêtres. Les Grecs pensent que tu n'es pas un homme. Prouve le contraire. Et que ta bonté se montre partout, à tes ennemis comme à tes amis. Vous êtes parvenu à la même conclusion que moi. C'est sa propre volonté qu'elle a quitté mon domicile pour le lit d'un étranger. Aphrodite est un ajout dans ce récit qui ne fait d'illusion à personne. Avance, va au-devant de ceux qui veulent te lapider jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est le moins que je puisse offrir en grec. Sans compter qu'il en va de mon honneur. C'est une erreur monstrueuse que de m'attribuer ce qu'ont voulu les dieux. Pitié. Ne faiblis pas. Pitié. Ce serait trahir la mémoire de tous ceux qu'elle a fait mourir. Ce serait décevoir les attentes des enfants de toutes ses victimes. Je t'en conjure. Vieille femme, ne t'inquiète pas. Son plaidoyer me laisse de glace. Garde, qu'on l'emmène au navire pour son transport par mer. Dans ce cas, qu'on ne l'embarque pas sur le même bateau que toi. Et pourquoi donc ? Pèse-t-elle trop lourd ? Il y a des amours dont on ne guérit pas. Tout dépend de qui on aime. Mais je suivrai ton conseil. Nous vaguerons à bateaux séparés. Et dès l'arrivée à Sparte, la misérable mourra d'une mort ignoble, comme elle le mérite, et pour servir d'exemple. Aïe, oh. Au malheur succède le malheur. Voici le corps du petit Astyanax. Hécube, des 1000 navires de notre flotte, il n'en reste au port pas plus que les doigts de mes deux mains. Tous sont partis, y compris celui de Néoptolème, fils d'Achille. Andromaque avec lui. Mes yeux se sont remplis de larmes lorsque je l'ai vu s'embarquant dans la tristesse de s'éloigner de son pays natal et de la tombe d'Hector. Elle a présenté à Néoptolème la requête que cet enfant qui a été jeté du haut des murs, le fils de ton Hector, soit enterré. Elle a demandé aussi qu'il veuille bien ne pas emporter ce bouclier avec lequel Hector combattait et semait la terreur parmi les Grecs, ce bouclier de bronze dont le père de ce garçon se protégeait les flancs. Elle a émis le souhait qu'il ne trouve pas sa place dans la chambre où, avec son nouveau mari, elle couchera, mais que l'enfant, dans son creux, soit enseveli. Elle a demandé que le cadavre te soit remis, afin que tu l'habilles et le pars des guirlandes funèbres comme il le convient. Pour notre part, nous l'enterrons, puis embarquerons. Exécute tes ordres sans délai. Je t'ai fait gagner du temps. Le corps meurtri était barbouillé de sang. En passant par la Scamande, je l'ai immergé, lavé. Va donc, moi je vais creuser la tombe. Ainsi, ta besogne et la mienne se conjuguant, nos derniers bateaux pourront sans plus tarder lever l'ancre. Pose le bouclier à terre. J'ai mal aux yeux de le regarder. Ô Grecs, vous dont les lances ont plus de poids que vos cervelles, pourquoi avez-vous eu peur de cet enfant et commis un meurtre aussi étrange? Est-ce pour que jamais ils ne reconstruisent Troie aujourd'hui tombée? Alors pitoyable vous l'êtes. Hector, sur le champ de bataille, ne vous craignez pas. Et vous, les conquérants, cet enfant vous jette dans une terreur irraisonnée. Pauvre enfant malchanceux dans ta mort. Si tu avais atteint l'âge adulte, si tu t'étais marié, si tu avais accédé au trône qui aurait fait de toi l'égal des dieux, et si tu avais été tué en défendant ta ville, alors tu aurais eu un sort correct, pour autant que l'on puisse parler de correction dans ce genre de choses. Souvent, tu me faisais de grandes promesses, et c'était un mensonge. Quand tu venais te blottir contre moi dans mon lit et disais « Grand-mère, je couperai une longue mèche de tes cheveux et rassemblerai mes camarades sur ta tombe où je prononcerai les mots d'adieu. » Pour l'heure, tu ne m'enterres pas, c'est moi qui t'enterre. Venez, venez toutes, allez me chercher de quoi parer ce pauvre garçon mort. Puisez dans ce qu'il nous reste. Rien de bien somptueux vu notre état. Fou est l'homme qui s'énorgueillit de sa prospérité, car la fortune, comme une folle,
saute d'un côté et de l'autre. On ne sait jamais où elle sera l'instant d'après. Enfant, ces étoffes troyennes que tu aurais portées à ton mariage avec la plus noble des princesses d'Asie. J'en revais ton corps. Avec ces bandelettes, je répare quelques-unes de tes blessures. Je ne suis pas un habile chirurgien. Le reste des plaies, ton père en prendra soin dans le royaume des ombres. Frappez, frappez vos têtes, de vos mains en cadence, comme des rames battant l'eau. Oh, mes très chères compagnes, Écube, qu'est-ce que tu es sur le point de nous dire? Les dieux, comme on le voit maintenant, n'avaient rien d'autre dans la tête que mon malheur et la haine de Troie entre toutes les villes. Les sacrifices que nous leur avons faits n'ont servi à rien. Mais s'ils n'avaient pas pris aux dieux de mettre le monde sans dessus-dessous, nous serions restés ignorés. Qui nous aurait chanté pour plaire aux oreilles des hommes à venir? Allons, ce garçon est prêt à être inhumé. Il a tous les ornements funèbres qui lui sont nécessaires. À mon avis, les morts se soucient fort peu de la richesse de leurs atours. Ça n'intéresse que la vanité des vivants. Aïe! Pauvre mère, au rêve, pour toi, fracassé. Mais regardez, quels sont ces ordres de soldats qui parcourent les remparts de Troie? Prenez soin des torts! Quelque nouveau désastre à tout en arrière de notre ville. Soldats, chargés de raser jusqu'à ses fondations la cité de Priam, ne conservez pas inutilement davantage la flamme entre vos mains. Faites votre office, jetez-la et que tout brûle, de sorte que, lorsqu'il ne restera aucune trace de Troie, nous puissions retourner au pays natal, le cœur léger. Et quant à vous, femme de Troie, quand mes instructions comportent deux volets. Dès lors que les chefs de l'armée feront retentir le son aigu de leur trompe, mettez-vous en marche vers les navires grecs. Puisque c'est à toi qu'esclave tu appartiens. Le moment où culmine pour moi l'horreur. Arraché à mon pays et ma ville part en fumée. Troie est anéantie, moi il me déporte. Oh Dieu! Pourquoi invoquais-je les dieux? Ils ne m'ont pas écouté. Courons dans le brasier plutôt périr avec toi et dans toi, Abyss! Tu perds l'esprit, pauvre vieille. Garde, saisissez-vous d'elle et remettez-la à son propriétaire. Aïe, aïe! Eh oh, eh oh! Fils de Cronos, Zeus, géniteur de notre race, vois-tu ce qui nous est infligé? Il voit, mais n'en a cure! Oh, mes enfants! Elle s'adresse aux morts? Oui, mes jambes ne me soutiennent plus. Je frappe la terre de la paume de mes deux mains. Aïe! Aïe! Ma lamentation! Rejoins! La tienne! J'appelle mon mari! Sigy, parle en dessous! Adieu! Mon pays! Au sol, un tas de sang. Quelques débris. Et plus de noms. Une fine poussière comme de la fumée montant en velours jusqu'au ciel emportera la pensée de ma maison. Ici, Dieu, maintenant il n'y a plus. Tremblante. Ah, mais qu'est-ce? Avez-vous entendu? Oui, l'effondrement des tours. Dans une immense explosion. Tremblante, avancez, mes jambes. Allons. 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 Allons vers les bateaux. Thank you.
Thank you.